Être bloqué dans sa progression est une sensation désagréable et ne permet pas de profiter pleinement du snowboard. Contrôler votre vitesse, améliorer votre équilibre ou encore votre prise de car sont des éléments indispensables pour pouvoir s'épanouir en tant que snowboarder. Ayant commencé le snowboard en autodidacte, je suis aussi passé par là. Et ce sont finalement mes expériences professionnelles à l'international qui m'ont permis de changer radicalement ma compréhension du snowboard 15 ans après mes débuts. Et oui, il n'est donc jamais trop tard pour progresser. Dans mon métier, je suis confronté tous les jours à des snowboarders expérimentés et pourtant bloqués dans leur progression. À chaque fois, c'est le même problème. Le manque de compréhension et de connaissances techniques entrave leur évolution. Concrètement, ce guide pratique vous donne des clés sur la technique, sur l'aspect tactico-mental et sur l'aspect organisationnel. Et c'est grâce à l'alchimie de ces trois éléments que vous deviendrez un snowboarder moderne. Aujourd'hui, je vous partage ces connaissances avec le site internet nomadsnowboard.com et plus particulièrement grâce à ce guide de la progression que je vous ai rédigé pour devenir un snowboarder 2.0. Ce guide s'appelle l'ABC du snowboarder 2.0 et il est disponible de suite en téléchargement gratuit. Alors si toi aussi tu souhaites reprendre ta progression et devenir un snowboarder 2.0, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon ride!